Salut les amis, aujourd'hui on est ensemble, on va donc faire un peu la présentation de la bécane sur route, parce que j'avais pas eu le temps avant, j'avais eu un problème de casse comme je vous avais expliqué, donc du coup je les ai reçus, parce que je suis un grand fan des casques Roof et j'avais pris le Desmo. Donc on va dire c'est des casques qui m'avaient toujours très bien très bien plu, on va dire. Et je m'en suis servi pendant une bonne dizaine d'années sans aucun problème. Et donc du coup j'avais repris quand j'ai acheté la moto, je me suis dit allez vas-y, j'arrête les V, je prends le Desmo et puis on n'en parle plus quoi. Sauf que malheureusement turbulence à mort dans le casque. Alors je pense que c'est l'inclinaison un peu sportive de la moto qui fait que. Donc on a lâché l'affaire, vu que j'achète beaucoup moi chez Axe Moto, Moto Blues, etc. Donc du coup ils me les ont repris sans problème. J'avais fait qu'une sortie avec. Et il n'y a pas eu de souci, je suis reparti donc sur le RO200, l'intégrale qui fait 1 kg 200 si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, mais bon j'avais pas reçu mon micro, donc là désolé si il y a un peu de turbulence, il y a un peu de vent, parce qu'en fin de compte j'ai pris mon Rode, le micro que je prends habituellement pour nos fameux tutos méca. Et donc du coup pour ceux qui m'ont suivi sur Insta, vous savez, on va aller voir. On va aller voir notre ami Chris RS chez T-Max à Herblay. Ça va me permettre de faire un peu de kilomètres. Il y a 100 km aller, 100 km retour. La moto a 366 km. Donc on va dire, ça va être pas mal. Écoutez, franchement, la moto, c'est que du bonheur. Il n'y a rien à dire. Franchement. Très plaisante, je vais pas vous raconter la messe, très plaisante à conduire. En même temps j'ai arrêté la moto pendant une bonne dizaine d'années. Je sais, je roule comme un grand-père, elle est en rodage, je ne veux pas l'abîmer. Donc je me suis arrêté on va dire une dizaine d'années. Entre temps j'ai eu le R1 que j'ai gardé, je vais dire une connerie, j'ai gardé 6 mois, c'était un ami à moi qui me l'a déposé en dépôt vente. J'ai eu le Bandit, j'ai eu le GSR, et moi la dernière moto à moi, personnelle, c'était la GSXR K8. Donc on va dire, même si c'était déjà un beau bébé pour l'époque, puisqu'elle était quasi neuve, quand je l'ai eu, elle avait même pas un an, on est quand même sur un autre monde. Hein. Même si c'est un roadster, je ne peux plus prendre de sportif parce que j'ai très mal au dos. Avec mon boulot, forcément, hernie discale et tout le tralala. Et j'ai essayé, mais la RR, franchement, elle était pour le prix, parce que celle-ci, elle me revient même limite plus cher que la RR. J'aurais pu la prendre, mais franchement, au niveau du dos, ça aurait été tendu. Donc, du coup, je suis parti sur celle-ci. Et franchement, j'en suis pas déçu. Ça envoie du steak. C'est même pas la peine. C'est un petit plaisir à rouler tous les jours, aussi bien en conduite sportive, en conduite grand-père, je vais dire. Après, là où j'ai encore un peu de mal à me familiariser, c'est vraiment avec la partie électronique, parce que franchement, c'est une usine à gaz. Donc là ici sur mon petit Komodo de droite, là ici on a les modes, vous voyez au tableau de bord, hop, dynamique, rain, road, il manque encore le M parce qu'elle est encore bridée, donc après je pourrais faire mes réglages. Là ici vous avez le poignée chauffante, régulateur, je ne m'en suis même pas servi, je ne veux même pas l'essayer. Après on va voir ici la suspension, hop, on est au tableau de bord. Dynamique, on peut la passer en normal quand on est en 2 ou en 1. Preuve, quand j'étais en 2 la dernière fois, j'ai même pas retouché. Voilà. Après, dans les réglages, j'ai pas tout connecté encore.
Bon, même si j'en ai fait un peu. Hein. Là, téléphone, médias, navigation. Vous allez avoir toutes les positions sport. Donc ça, les positions sport, bah, ça vous permet de vous donner les angles. Donc ça, vous les enregistre pas au prochain démarrage. Mais déjà, sur votre session, vous l'avez. Quand vous téléchargez l'application, vous avez carrément sur votre portable après les accélérations, les angles, la force de freinage, le traction control, savoir si c'est désactivé ou pas. Franchement, il n'y a rien à dire. À ce niveau-là, elle est au top. À part que voilà, pour moi, ça fait un peu trop. Voilà, c'est vraiment trop récent pour moi. J'ai un peu de mal à m'y faire encore. Voilà, c'est une question d'habitude. Alors en voiture, c'est vrai que je suis un peu casse-couille. J'aime bien les options, j'aime bien ceci, j'aime cela. En moto, j'aime bien plus, on va dire, le soft. Sauf que bon, bah forcément, dans les modèles qui me plaisaient, le soft n'existe plus. Toutes les nouvelles bécanes, maintenant, ils sont archi bien équipés. Donc bah on fait avec et puis on s'y habitue tout doucement. Mais franchement, non, c'est une bonne moto. Le shifter, bah je m'en sers pas trop pour l'instant, puisque comme il disait à la concession, d'éviter de trop se servir du shifter pour le moment, puisque le shifter, c'est mieux de s'en servir sur la plage de 5 à 8, ou après, de quoi, de 5 à 8, hein, à partir de 5 à 8. Hein. Donc on va dire, je m'en sers pas trop. J'essaye de faire un bon rodage, puisque c'est une moto que je ne compte pas revendre. Je vais pas dire que c'est la dernière, mais c'est une moto que je ne compte pas revendre. Après, peut-être par la suite, si il y a un autre modèle chez eux qui me plaira, bah à ce moment-là, je la ramènerai et puis bah je prendrai peut-être la nouvelle, on verra. Après, vous savez, moi les crises de fou, ça arrive souvent. Ah, shifter, il passe nickel. Ça clignote au tableau de bord parce qu'on l'avait réglé comme ça avec Clément de chez Motorrad à Saint-Thibault pour me dire attention, fais pas le con, passe tes vitesses. Non, j'y vais progressivement. Franchement, là, je roule à la cool. Pour ceux qui me connaissent en moto, vous savez que je suis un fou furieux. Pour vous dire, je ne l'ai même pas encore levé. Je n'ai même pas essayé de la lever. Donc c'est vraiment que je prends sur moi, j'essaye de faire vraiment attention, faire mon rodage proprement, parce que c'est la deuxième ou troisième que je sors neuf de concession. Bon, au prix que ça coûte, hein, on va quand même faire attention. Hein. Sinon, comportement, alors, du urbain, du très très urbain, bah, je sais pas, je n'en ai pas encore fait. Donc ça sera l'occasion aujourd'hui. Par contre, nous ici à la campagne, c'est que du bonheur. Franchement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Là, j'ai fini de roder mes pneus tranquillement. Alors, j'ai pas non plus avoiné parce que j'ai quasiment fait mes 350 bornes au tableau de bord. Je l'ai quasiment fait à deux. J'ai fait ça avec ma femme, tranquillement. Il me tâte de faire une petite sortie là bientôt, Vosges ou un truc comme ça, comme on faisait avant. Et là, mon copain, ça envoie. Très facile à prendre en main. Seul petit bémol, franchement, c'est. Alors après, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas roulé à deux. Parce que même si j'ai roulé récemment, même avant la mienne, tout seul, à deux, étant donné que l'assise est assez large et que je suis quand même petit. Bah en fin de compte, le passager, surtout ma femme qui est un poids plume, bah on a tendance à se bloquer parce qu'elle a l'habitude à faire de la moto depuis au moins 10-15 ans avec moi. Hein, donc, c'est, on va dire c'est pas de la position débutant, on va dire. On commence à vraiment envoyer, ralentir. Alors, quand on accélère, ça va. Quand on fait vraiment des ralentissements, freinage. Bah on a tendance, on va dire, la passagère a tendance à glisser un petit peu entre moi et elle, parce qu'il y a quand même un trou entre elle, entre la selle et moi, il y a quand même un trou de 20 cm. En sachant que moi, je roule, c'est peut-être une mauvaise manie, hein. Vous me direz, vous, si d'autres motards me suivent, si c'est une mauvaise manie, je suis très proche de mon réservoir.
J'aime bien être collé au réservoir, sentir ma moto. Donc, et bah du coup, ça laisse un espace béant derrière. Alors, c'est vrai que c'est un roadster sportif. Alors, quand je dis que c'est un roadster sportif, je me comprends. C'est qu'en fin de compte, j'ai toujours une mauvaise habitude, moi, avec les roadsters, de me tenir un peu trop raide sur la moto. Alors, quand je dis trop raide, je me comprends. Hein, c'est pas coincé, constipé. C'est vraiment raide. Je me couche pas assez. Et en fin de compte, celle-ci, bah, si on veut être confortable, on est mieux, on va dire, quand on a les fesses calées au fond, couchées sur le réservoir. Ça, on va dire, ça nous permet d'avoir moins de prise au vent. Et on est mieux. Ça fait, on a un petit esprit quand même de. On a un petit esprit quand même de sportive. Hein. Ça me fait penser un peu quand j'étais sur ma GSXR. Bah forcément, dès que tu te levais, tu prenais tout dans la gueule. C'était la misère. Et là, franchement, c'est ce que j'apprécie fortement sur ce modèle-là. J'ai réessayé d'autres stores récemment. Et bah, pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, je dis pas ça parce que c'est la mienne, mais pour le moment, c'est ma préférée. Voilà, c'est ma préférée. Bon, après, c'est pareil. Je me permets des choses avec celle-ci que je ne ferai pas avec ceux qu'on me prête. C'est pas à moi, forcément. Mais elle me plaît bien, cette petite moto. Elle me plaît bien. Non, franchement, on peut pas lui retirer ses petits gènes de roadster sportif. Donc je précise, hein, roadster avec le petit point sportif. Même s'il lui manque quelques chevaux par rapport à la RR, qui est toujours rattrapable. Hein. C'est toujours rattrapable. Donc ce que je veux dire, il y a toujours moyen de, si on veut récupérer des chevaux, voilà. Mais je trouve que déjà 160 chevaux sur une moto comme ça, c'est suffisant. Surtout que bon voilà, moi réellement c'est uniquement de la promenade. La moto ne voit pas la pluie. Après bon, on retrouve un peu les petits points faibles du roadster, hein, je parle, hein, la position roadster. La prise au vent, légèrement sur les bras. Après moi je suis pas très grand donc ça va. Là du fait que j'ai changé de casque, j'ai l'impression d'être dans un petit cocon, Franchement ils ont fait fort là sur le casque. C'est impressionnant pour ceux qui l'ont. Donnez-moi votre ressenti, mais franchement. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu le permis en 2007, c'est mon premier. Casque intégral, je n'ai jamais porté de casque intégral de ma vie parce que je supporte très mal le casque intégral. Avant je faisais beaucoup de ville, donc forcément casque intégral, ville, pour moi ça va pas ensemble, même si la sécurité est la même quand le modulable est fermé. Et surtout si on se casse la gueule avec un modulable ouvert, bah là forcément la mâchoire, hein, ça pardonne pas, hein. Alors pour ceux qui me parlaient de l'échappement, je vais faire point là-dessus. Bah clairement, ça change. Hein. Comme je vous ai dit, on a un petit plus de son en ville, etc. On a un petit plus au ralenti. Maintenant sur route, je vois pas la différence. Sur route, je sais pas, dans le micro, on verra quand je ferai le montage vidéo. Pour moi, je vois aucune différence. Commence à l'améliorer quand même là. On voit que le rodage commence à se finir. J'étais à 25, je suis passé à 28, passé à 30. Là aujourd'hui 32-36, pas mal. Ça c'est un petit truc qui est pas mal. Faut juste essayer de pas se faire des concours dans la tête, c'est un coup à se retrouver les dents par terre. Allez, pour rigoler. Celui qui arrive à 100, c'est le meilleur. Généralement, celui qui a 100, il a plus de dents. Ah, franchement, hormis simple. Franchement, ils ont bien bossé. Même quand on voit ça, il y a de la qualité. Alors, et pourtant, je suis très, très, très Suzuki. Hein. Pour ceux qui me connaissent, j'ai quasiment eu que de ça. Franchement, ils ont bien bossé. Ils ont bien bossé. Comme on dit, je crois que j'ai changé de crèmerie pour la bonne cam. Et j'en suis vraiment, vraiment, vraiment content. Il n'y a rien à dire. Oh, et puis depuis le temps que je voulais le voir, le Christ. Hein.
Ah, et puis entre la famille, hein, forcément, je travaille tout le temps, donc... Moi, je pense que c'est, tout le monde est pareil, tout le monde travaille tout le temps, hein. Mais bon, quand on a son compte, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le peu de temps qu'on a, bah, on essaye aussi un petit peu de profiter en famille, les amis. Donc c'est vrai que je me laisse pas de temps pour moi. Donc là, je me suis dit cette année, bonne résolution. Je vais un petit peu m'ouvrir l'esprit et aller un peu vers les autres. On va dire les dernières années ont été très très dures pour ceux qui me suivent. Très dur psychologiquement, financièrement, après financier, ça reste financier, hein. L'argent on en perd, on en récupère, c'est ce qu'il faut se dire. Donc je me dis, faut en profiter un peu. On arrive Cormeil en Parisie. Ça me rappelle quand je travaillais dans le coin, tiens. Et il nous reste quoi, 2 km? Bon, j'ai fait bonne route. Je vous ai pas mis d'autoroute parce que ça sert à rien. J'aurais fait chier comme des rats morts. Attention, c'est rempli de radars dans ces conneries là. On est arrivé. On n'a plus beaucoup de kilomètres à faire. Bon, peut-être qu'il va y avoir du monde. Apparemment, il y avait des abonnés à nous qui devaient nous rejoindre. On va voir ça. Peut-être, peut-être pas, peut-être, peut-être pas. Eh ben dis donc, les bouchons ça n'avait pas manqué, hein. Mon dieu, quelle chaleur qui fait sa race. J'avais oublié qu'on avait aussi chaud que ça en moto. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de route, tiens. Pas de ville. Je connais pas du tout si c'est bien ici la route ou pas. La route je la connais pas, donc je suis ce qu'on me met. Ça se trouve je te fais un détour. Les stops, toujours respecter les stops en moto les gars. Alors vous voyez la vitesse, moi je vais pas dire que c'est pas grave, mais bon, moto c'est normal on va dire. Alors les stops, laisser le passage, ça c'est important. Toujours. Le petit pic qui va au sol, sinon 4 points. Le petit pop-pop là, comme que c'est joli. Que c'est joli. Alors j'avais raison les gars, je me suis paumé. Je sais pas comment que j'ai fait mon compte. Je me suis vraiment paumé. Puisque en fin de compte, je me retrouve en plein centre-ville. J'ai rien à faire ici. Je sais pas ce que je fous ici. Pourtant j'ai suivi l'adresse qu'il m'a mis, qu'il nous avait donné. Non, c'est pas ici. Fait une chaleur mes copains, 30 degrés, regardez-moi ça. Mon dieu, on a l'été en plein septembre. C'est bien ce que je me disais, l'année prochaine je vais partir en septembre. Bon je dis ça, je supporte pas le soleil. Déjà au mois d'août on a eu beau. Quoi, beau dans le sud. Hein. Pour nous Paris apparemment ça a été la merde. Moi j'étais pas là mais apparemment on a eu un temps de merde. Allez Morissette. Allez les clignotants, faut y aller les gars, s'il vous plaît.
Aïe. Donc on est à l'intérieur, on va aller voir sa moto, elle est magnifique. On peut aller avec du monde, on va pas le déranger, il a 16 abonnés. Ouf. Et là, c'est un beau bébé. Une belle machine. Très belle machine. Ceux qui savent, je ne suis pas trop voir, mais celle-ci, quand même, elle a son effet. Le système ici de roue, changer les pneus, tout ça, franchement, c'est le top. Rapidité, la ligne. Hein? Pour ceux qui disaient trop de bruit, etc., guettez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Il a dû tirer, salaud. Bon, voilà, les amis, j'ai réussi à attraper Chris parce qu'il est avec beaucoup de monde. Je suis venu avec cœur, surtout. Voilà, il est venu avec cœur. Il est venu nous présenter sa belle machine. Très, très belle. Et ben, un grand merci à toi. Bah, merci en tout cas. Voilà, ça nous fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'y aller, même si ça m'a fait beaucoup de kilomètres. Au moins, ça m'a fait mon rodage. 200 kilomètres. C'est pas vrai. Hein? T'es d'où? Je suis de Robert. Mais j'ai fait mon rodage. Mais la moto est neuve. Ah voilà, donc voilà, j'en ai profité de venir le voir et en même temps j'ai fait le rodage. Voilà. A few moments later. Allez, on va rentrer. On a de la route, 104 km, 1h30 de route, 3h. On a mis 3h de route quoi, en global. Allez les gars, on y va. Alors généralement la route pour rentrer c'était toujours mieux. Noni en short, mon Dieu. Tu tombes, t'es mangé. Tu le sais, ça, les Carpaccio. J'adore les gens qui coupent la gueule comme ça, qui regardent rien. Franchement, c'est affreux. Hein. Alors, je dis pas que, parce que bon, je roule pas doucement non plus, même si je suis pas non plus en excès de vitesse de dingue. Mais franchement, en voiture, on va dire qu'on est en voiture, on. Allez, pas qu'on fait pas attention, c'est que moi le premier, je suis en voiture, il y a des choses que t'es moins attentionné, t'es moins attentionné aux motos que quand t'es en voiture, tu vas plus regarder les voitures, les camions, même si moi je surveille parce que, on va dire, avec ma longue carrière de conducteur, voiture, poids lourd, moto, parce que j'ai tous les permis, monsieur. Et ben en fin de compte, on a toujours des réflexes à regarder dans les rétroviseurs, etc. Et c'est vrai qu'il y en a, ma mère, je sais pas où tu regardes, mais regarde pas dans les rétros, ça fait peur, hein, franchement. Alors j'essaye de regarder dans les rétros pour eux, mais c'est compliqué. Après un truc de fou aussi qu'on a, c'est... alors c'est un point positif, je dirais, à voir vraiment en temps de pluie. Par rapport à ce qu'on a pu appeler le frein moteur ou l'assistance de frein, apparemment il y a un truc qui permet de réguler le couple moteur et le freinage. Et en fin de compte, allez, je touche à rien, je lâche l'accélérateur. Il y a un couple monstrueux, on décélère, franchement, je freine, mais très 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 rarement avec la moto, c'est impressionnant. Certaines motos, on a constamment les pieds et tout ça dessus en train de freiner. Celle-ci, c'est honteux. Ça n'est honteux, c'est voilà. J'arrive comme ça dans un virage, paf. Voilà.
regardez, on arrive dans un virage comme ça, tac, je coupe, je couche, hop, et je renvoie. C'est impressionnant. C'est un petit vélo, un petit vélo. Je crois qu'il y a un petit manoir ici, là. Ah là 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 là. Il n'y a personne derrière. Impeccable. Allez. Hop là. Je vais me foutre là. Vous allez comprendre. Voilà. Alors, quand on rentre dans les menus, ici vous allez voir dans les réglages. Alors, donc là, la position circuit. Donc là, pour l'instant, ça sert à rien que je l'active parce que de toute façon, je n'ai pas le. Je n'ai. La moto n'est pas débridée. Hein. Donc attendez, je vais ouvrir parce que je suis en train de mourir moi. Donc ici, on va avoir, donc ça on s'en fout, ça c'est les réglages. Ça c'est les réglages. Alors désolé, j'ai pas tout encore en main. Hein. Je suis un peu perdu avec cette moto. Il y a beaucoup trop de trucs. Alors configuration, je crois que c'est en mode pro. Ouais, mode pro ou mode pro, dynamique pro, voilà. Donc configuration ici, allez. Donc ça on s'en fout. Hop. Ça on va le monter, hop. C'est bon, on va passer à 8000, hein. Maintenant c'est bon, j'ai déjà fait 500 bornes. Donc les petites lumières, boîte de nuit on va éviter. J'avais vu quelque chose, je crois que c'est quand je configure le mode pro. Allez, on va voir ça. Voilà, coupe et admission de gaz. Et en fin de compte, c'est ce qui permet en fin de compte d'avoir plus de freins moteur, etc. Et franchement, c'est honteux. Il y en a même de trop. Je vais peut-être même le retirer pour voir ce que c'est. Ah ouais, non, c'est trop. Traction, moi ça pour l'instant, on va pas y toucher. Ah, le winning. Allez, on va en mettre un quand même, on sait jamais. Ah non, on n'a pas de prise en charge. C'est très bien ça. Fort, voilà. Et ben voilà. Bon, pour l'instant, on va se mettre comme ça. Bon, vous avez vu. Donc, en fin de compte, vous voyez, il y a un réglage de coupure de gaz. Je pense que ça fait un peu comme les poids lourds. C'est un système qui doit permettre, avec les gaz, de bloquer sûrement les pistons un peu. Hein. C'est le principe pour les poids lourds. Hein. On sert des gaz usés pour freiner les pistons. Et je pense que c'est exactement le même système. Bon, allez, on repart. Remettre sur mon écran de base, parce que moi j'aime bien cet écran là moi, voilà, j'adore celui-là, c'est mon préféré. Après il y en a un aussi pour le comment on appelle ça, le circuit. Admettons, vous prenez ici, paf, hop, vous pouvez lancer carrément un tour, hop, j'appuie derrière, tac, un appel de phare. En fin de compte, ça nous permet de compter les tours, et à chaque tour, en fin de compte, à droite, vous allez avoir des minutes de tour qui vont au fur et à mesure s'additionner, et vous pourrez de mieux en mieux jouer sur vos tours, quoi, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est pas mal, mais c'est pas celui que je préfère. Moi, franchement, je préfère celui-là. Voilà. Cette petite vidéo est finie. J'arrive chez moi, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, je referai d'autres petites vidéos comme ça, avec d'autres personnes, vous verrez. Pensez à partager, les petits pouces bleus, puis je vous dis à la prochaine. Ciao.